Allô, bonsoir tout le monde. Grâce, tu peux m'écouter? Oui. Ok, donc je vais te donner la parole officiellement. Et voilà quoi, tu diriges. Nous avons déjà la présence du président Larry Eben qui est là. Salutations. Nous avons aussi la présence du président Ibala. Bienvenue à tous, Terence, Kate qui est là. Nous avons déjà nos deux invités. Donc, je vais te donner la parole pour que tu puisses gérer simplement comment dire, le live, si je peux le dire ainsi. Et voilà. Et j'avais juste envie d'ajouter que sur Google Meet, c'est 41 heures. Donc, nous allons changer de link tout à l'heure. Merci pour la compréhension, les gars. Donc, grâce, la parole est à vous. Merci. Merci, président. Ted, bonsoir à tous. Merci de vous être connecté pour prendre part à ce moment. Je me prénomme Grace Malvin, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et donc, si nous sommes là ce soir, c'est pour parler du voice phishing. Je crois que autant que nous sommes, nous avons déjà entendu parler de ça. Il n'y a pas très longtemps, le président Ibala avait partagé au sein de notre groupe Kakao Talk la mésaventure d'un de nos frères congolais qui s'est retrouvé plus ou moins pris au piège dans cette histoire d'arnaque-là et qui, je crois, aujourd'hui écope d'une peine de prison, malheureusement. Donc, c'est pour nous avertir, c'est pour nous sensibiliser, c'est pour nous donner beaucoup plus d'informations à ce sujet pour que nous ne soyons pas ignorants de ces faits que le bureau Samba Corée a décidé d'organiser ces moments d'aujourd'hui. Et donc, je tiens à remercier le président Ted, je tiens à remercier tout son bureau pour tous les efforts que vous mettez en œuvre pour nous aider à vivre de façon sûre dans ce pays. Et je tiens aussi à remercier Monsieur Larry Eben et ça m'échappe, désolé, et Monsieur Kate Milondou qui ce soir vont nous partager des choses à ce sujet. Donc je vous remercie pour votre disponibilité et pour votre temps que vous nous accordez, vraiment merci. Et voilà, donc je vais vous donner le plan de notre rencontre de ce soir. Et comme ça, tout le monde saura plus ou moins où on va, ce qu'on va faire par la suite. Donc, on va commencer par des temps de partage avec Monsieur Larry Eben et Monsieur Kate Milando qui nous partageront sur le voice phishing. Il y aura des phases, des définitions, ils nous diront un peu plus ce qu'il en est. Et après, on aura l'intervention de quelqu'un qui était dans cette pratique-là. Donc, ce sera plus ou moins l'interview d'un ancien recruteur de voice phishing qui partagera avec nous son témoignage. Il y aura la possibilité de lui poser directement des questions. Donc, on prendra quelques questions des personnes qui voudront bien lui poser des questions. Donc, et après, on aura une phase de questions-réponses généralisées. Donc, compte tenu du temps, et pour qu'il y ait beaucoup de participation, donc je vous prie, lors de cette phase de questions-réponses, d'être bref et précis pour qu'on ait beaucoup plus de choses à nous dire, pour qu'on ait beaucoup plus d'informations. Déjà que nous avons commencé avec un certain retard, donc que ça se fasse vraiment de façon concise. Sur ce, je vais passer la parole à Monsieur Larry Eben, notre premier intervenant de ce soir. Vous avez la parole, nous vous écoutons. Bonsoir tout le monde. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais certainement faire appel à Monsieur Kate Bilandou. Vous êtes là? Ok, donc comme prévu, je pense que tu vas faire l'ouverture des slides, n'est-ce pas? D'accord, donc je vous reviendrai plus tard après l'intervention de Bilandou alors. Ouais, c'est bon, chez moi c'est bon. Oui, on voit le slide, mais on ne te voit pas, mon Essaye de défiler, essaye de défiler les slides pour que... Ok.
Si je peux me permettre, les gars, n'hésitez pas à activer vos caméras. Sentez-vous à l'aise en famille. C'est une soirée information, débat. Donc, voilà, sentez-vous libre de pouvoir montrer les visages, et etc. Donc, Ok, tu es là? Oui, je suis là, je vais partir le seul. Bon, c'est là pour moi. Très bien. Écoute, on peut voir.
Ok. Je vais partager depuis ici. C'est où c'est? People. Moi, je sais pas comment faire pour me voir en même temps pour aller sur le truc. Hein. Vous me voyez? Oui, oui, on peut. 5 sur 5. Hein? Oui, oui. Ah, ok. Oui, bonsoir encore là, la famille. De toute façon, moi, c'est Larry, chez Larry et Ben, un grand frère simple. Vous pouvez m'appeler juste Larry. Donc, j'ai été invité par le bureau en place, évidemment, pour prendre part au webinar ou conférence par Internet. Et ils m'ont dit, bon, grand frère, prépare quelque chose pour sensibiliser par rapport à l'expérience que tu as ici. Toute information peut être la bienvenue. Et aujourd'hui, le but, c'est clair que ce n'est pas de donner forcément l'exactitude de l'information, parce que nous aussi, on est comme vous. On a recueilli un peu les informations à gauche, à droite, pour faire quelque chose, pour partager avec la communauté, pour signaler une sorte d'awareness par rapport à ce que les étudiants ou les différentes nationalités ou les différentes communautés, y compris même les Coréens eux-mêmes, subissent. Par rapport à ça, on peut regrouper quelques informations qui peuvent s'avérer vraies ou qui peuvent s'avérer pas aussi vraies que ça, mais que ce soit pour nous au moins un soubassement d'informations auquel on peut se référer pour pouvoir rebondir ou pour pouvoir être prêt à affronter différentes difficultés qui seront en relation avec le sujet dont on parle aujourd'hui. Donc, c'était d'abord pour nuancer et puis pour mettre ça d'abord en place. Donc, comme pour dire que moi, je ne suis pas un expert en voice phishing. Donc, je n'ai écrit aucun article sur le voice phishing. J'ai aussi recueilli les informations comme n'importe quel abonné aussi pouvait le faire ici par bénévolat. Donc, ceci étant dit, donc, la définition, comme on était sur le sommaire qu'on devait définir, donc j'ai jugé mieux de donner une définition officielle et de donner une définition par vécu, ce qui veut dire ici une définition par rapport à quand on y est dans le pays en question, quoi, qui est en relation directement avec la Corée et tout. Donc, mais par rapport à la définition officielle, tout le monde peut la retrouver. Il y a le lien en bas, il y a la source. C'est sur Google, c'est en anglais, tu peux traduire et puis tu auras les mêmes informations. Donc, la définition officielle est là. On peut même la relire tous ensemble. On a découpé ça, mais sinon, c'est ça la définition officielle. On sait que le voice phishing, comme Kate l'avait déjà bien dit au préalable, que c'est l'utilisation tout simplement d'appels téléphoniques frauduleux pour amener les gens à donner de l'argent et à révéler des informations personnelles qu'on va les soutirer et forcément leurs finances. Donc, ce n'est pas vraiment un nouveau problème, c'est juste le nom qui est nouveau, donc voice phishing, donc c'est plus trendy maintenant. Mais sinon, ça, c'est un vieux problème. Donc, du coup, la définition dit que c'est un nouveau nom pour un vieux problème, donc l'escroquerie téléphonique, les phone scams. Donc, le voice phishing implique souvent un criminel, évidemment, quelconque, qui représente une institution, une entreprise ou un organisme gouvernemental de confiance, évidemment, puisque tu vas forcément avoir confiance parce que la chose, elle est reconnue, elle est officielle. Et en utilisant aussi d'autres moyens, comme avec aujourd'hui l'intelligence artificielle que Kate a ajoutée ici, donc, et l'apprentissage automatique, et la cybercriminalité qui effectue des attaques sophistiquées et efficaces, évidemment, sur tes informations personnelles que tu as forcément stockées en ligne.
Donc, c'est, en ce qui concerne la définition officielle, c'est comme ça, et ça, elle se retrouve aussi en ligne. Et moi, j'ai au slide la définition par vécu ici, au cas où il peut y avoir... Vous m'entendez bien? Allô? Ah, ok, d'accord. Ok. Donc, c'est ça, la définition ici, comme j'ai d'abord dit, c'est un système d'escroquerie via plusieurs mécanismes. Donc là, je vais juste expliquer. En ligne, par appel, par messagerie ou bien par email, un peu tous les moyens qui te permettent à te joindre, donc ou attirer ton attention, et ensuite ces truands ou imposteurs t'attaquent avec des méthodes très convaincantes. Ils sont vraiment très persuasifs, évidemment, parce que c'est aussi un peu à la pêche au hasard, tu vois. Donc on ne connaît pas qui est vraiment qui. C'est pas une cible visée que non, bon, on va chercher tel qui, tel. Non, c'est vraiment dans le hasard, dans un océan de personnes, donc à repères réduits, c'est-à-dire la Corée, qu'on vise Séoul par exemple, plus particulièrement, ou bien dans d'autres villes évidemment, tout le monde est touché, la Corée en général. Donc du coup, c'est un océan et tous les poissons sont prenables. Donc du coup, il y a même souvent des arnaqueurs qui tombent même sur des officiels. ça arrive. Donc, quand le numéro, il est là, on lance l'appel ou on lance la messagerie. Donc, des fois, ça tombe même sur un policier, ça peut tomber sur un juge, ça peut tomber sur un enfant qui est encore au primaire, ça peut tomber sur quelqu'un qui est étudiant. Donc, ça, c'est vraiment, comme on dit, random. C'est random, c'est dans le hasard comme ça. Et donc, c'est comme ça aussi qu'on peut aussi trouver simplement des personnes aussi très vulnérables dans cet océan-là. Donc, il y a des personnes qui ne sont pas... au courant, qui ne savent pas c'est quoi, qui sont peut-être, ça peut tomber sur quelqu'un qui est dans une envie, peut-être à la recherche d'un boulot, qui se fait avoir, qui peut aller à la recherche d'une bourse d'études, qui peut se faire avoir. Vraiment plusieurs, ça touche tous les cadres sociaux. Donc, c'est pourquoi j'ai dit ça, c'est la définition par vécu, pour utiliser un peu, pour être dans le jargon même de la société coréenne. Donc, le voice phishing ici se présente sous différentes formes. Donc, le type de voice phishing, donc il y a plusieurs formes. Il existe différentes méthodes, différentes structures opérationnelles pour les différents types de phishing. Habituellement, les escrocs, ils utilisent l'ingénierie sociale pour convaincre les victimes du rôle qu'ils jouent et pour créer un sentiment d'urgence, évidemment. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas te laisser le temps de trop réfléchir, sinon tu peux te rendre compte. Donc, du coup, tu vas toujours te sentir dans dans l'urgence de vite faire, parce que c'est la dernière chance, c'est le dernier. Donc du coup, il va falloir que tu réagisses vite. Non, mais là, c'est bon, il faut déjà faire ceci. On va te mettre dans le sens de d'aller très vite, de donner une conclusion, une information aussitôt, dans l'instant, dans l'immédiat. Donc c'est ça, ce sentiment d'urgence qui te permet souvent de faire des bêtises, comme on dit, qui... Si tu n'as pas fait une longue pensée, une longue étude sur quelque chose, tu vas forcément te connaître la stratégie phare de ces gens. Donc, par rapport aux formes, donc, j'ai essayé de mettre ça en trois grands là et tout. Donc, imposter scammers, j'ai un peu mélangé avec l'anglais parce que je me dis qu'il faut aussi qu'on soit familier, on se familiarise avec les termes qu'on utilisera peut-être dans un système, parce que les Coréens, ils utilisent aussi beaucoup les formes anglophones pour le voice phishing. Donc, du coup, j'aurais peut-être aussi même mis en coréen, mais je n'ai pas eu assez de temps. Donc, le français, c'est juste vraiment pour transmettre facilement, parce que c'est notre langue natale. Mais sinon, il est mieux de se familiariser avec ce genre de choses, avec l'anglais, parce que là, tu vas vite comprendre, tu vas vite apprendre. Tu peux vite rendre compte de la situation dans laquelle tu te trouves, si elle est honnête ou malhonnête. Donc, imposter scammers, donc sont les usurpations d'identité et tout ça. Donc, ça, c'est le plus répandu ici en Corée. Donc, c'est comme Kate disait au premier slide là-bas, donc les infos bancaires, les transactions, les crédits, les erreurs de compte, tu vois. Et après, on a la deuxième phase où on dit les faux enlèvements. Donc, faux enlèvements, c'est-à-dire les kidnappings et tout ça dont vous avez entendu parler. Donc, ça existe encore ici en Corée. Là, on est dans la phase où on veut te soutirer les informations pour, à la fin, la clé, c'est de te soutirer normalement ton argent. Que ce soit tes 1000 won que tu as gardé quelque part, que ce soit tes milliards de won.
ça n'a rien. Ils ne savent pas qui a plus ou qui a moins d'argent. On vise juste quelqu'un comme ça dans un océan. Celui qui aura plus d'argent, c'est sa malchance. Celui qui n'aura rien, il va juste perdre big one et il n'y aura rien. Donc, c'est un peu ça. C'est vraiment dans le hasard des choses. Et maintenant, il y a aussi les formes, comment ces malfrants ou ces truands ou ces imposteurs-là se font passer pour des agents pour te soutirer la langue. Donc, il y a des imposter scammers. Et puis, on a les business investment scams. Donc, c'est-à-dire ou les charity scams and auto warranty scams. Ça, c'est quoi? Bon, on va commencer par business and investment scams. Ceux-là, ce sont les inscrits qui se font passer pour des experts financiers pour convaincre les victimes d'offrir de l'argent pour des investissements, donc pour une société. Ça, c'est peut-être un autre niveau, puisqu'on ne va peut-être pas s'attaquer à un étudiant ou ce genre de choses. Ils vont peut-être s'attaquer à des structures bien comme des sociétés d'investissement ou bien un monsieur qui a une société. Donc, on va lui proposer un business plan, tout ça et tout. Bon, écoute, l'Afrique, par exemple, il y a tel, on peut exploiter l'or, on peut exploiter le pétrole. Or, tout ça, c'est fictif, en fait. Et tu te fais soutirer des millions d'argent, de dollars, ou quelle que soit la monnaie. Et ensuite, on a les charity schemes. Dans les charity schemes, c'est un peu genre les ONG. Donc, quelqu'un va se faire passer pour les ONG. Donc, par exemple, ici en Corée, je ne sais pas si vous avez eu souvent l'occasion, des fois vous marchez, vous voyez les gens avec des tentes, machin et tout. Il y a ceux qui sont aussi dans le vrai, mais il y a aussi ceux qui sont dans le faux. Donc, c'est vraiment difficile de distinguer. Donc, tu vas voir des gens avec des stands, avec des t-shirts bleus, UNICEF, ou bien un truc, machin, help the children of blabla. On va te mettre des photos d'enfants qui souffrent et tout ça, machin. On va te demander de signer quelque part. Non, donne juste, mets ton numéro de téléphone, tes trucs, voilà. Il prend le numéro de téléphone, c'est tes informations bancaires où tu vas peut-être donner. Parce la Corée avait interdit de donner du cash maintenant pour les ONG. Donc, il passe maintenant par les informations bancaires. Comme ça, quand c'est à l'intérieur, on peut te faire seulement des vies. Il peut faire des prélèvements automatiques. Donc, sur ton argent, par rapport à la somme qu'ils vont te dire, par exemple, si c'est 30 000, on va t'enlever 30 000 chaque fin du mois. Toi, tu crois que tu es en train de faire une donation officielle ou bien normale par rapport à ta sensibilité de vouloir aider les gens, mais par l'argent en train de servir à autre chose. C'est un peu dans le sens là. Ou encore, si tu es encore malheureux et qu'il y a plus d'argent que les 30 000 que tu avais signé, on peut directement te faire on peut te vider ton compte de tes ressources ou bien de tes économies. Donc, c'est un peu ça. Et ensuite, on a les auto-warranty scams. Ça, c'est surtout pour les gens qui ont les voitures, ou qui possède une voiture, donc du coup, tu as acheté une voiture à crédit, ou bien tu as les assurances, évidemment, ça va de pair. Donc ça, c'est aussi un autre type. Donc on va t'appeler, on va te dire, monsieur, on sait que vous avez une assurance de tel, vous avez votre numéro, c'est tel, donc on veut vous proposer un meilleur deal par rapport à ce que vous avez. Bon, par exemple, moi, j'ai une voiture, je conduis, tout ça, chaque fin du mois, je paye une assurance d'environ 800 000 comme ça. Donc, tout le monde cherche à avoir forcément une assurance premium, mais à moindre coût. Donc, il y a des gens qui payent des assurances ici à 1 million et quelques, 2 millions, donc c'est très cher. Donc, par rapport à ça, tu vas avoir des appels, on va te dire, bon, écoute, nous, on va te proposer tel, ta voiture sera prise en charge, tout ça. Si tu veux, même tu changes de voiture, et on garde toujours le même taux d'intérêt, tout ça. C'est des trucs que, bon, les gens qui possèdent des voitures comprendront mieux. Donc, c'est aussi une façon aussi d'extorquer les informations, tu vois. Et quand vous donnez vos informations, il faut toujours faire attention. Pourquoi? Parce que ce genre de personnes, non seulement, même si ce ne sont pas telles qui vont directement opérer dans le scamming, mais elles vont vendre vos informations à une échelle plus élevée. Eux qui prendront ces informations maintenant, qui vont maintenant réutiliser ces informations maintenant pour vous envoyer des messages ou des liens ou des trucs, machin. C'est pourquoi tu vas te poser la question, mais comment ils ont fait pour avoir mon information? Mon numéro, parce qu'ils t'ont pas géré, ils ne vont jamais venir te contacter directement, mais c'est par rapport à tu es passé par une fraude d'investissement, tu es passé par une fraude d'ONG ou bien les assurances, et ces gens-là ils recueillent les informations et ils revendent ça encore aussi. C'est aussi un système, un canal pour faire évoluer bien faire véhiculer ou bien le partage de vos contacts et de vos informations personnelles jusqu'à ceux qui donnent. Pire encore, ce qui donne encore jusqu'aux infos bancaires. Ça, c'est encore vraiment le sommet. Ce sont ceux-là qui se font encore même plus
qui sont les plus grandes victimes. Parce que tu penses encore le numéro, tu veux encore recevoir un message, il y a encore plusieurs étapes. Tu vois, bon, bref. Donc, numéro 3, je m'étends. Il y a le parcel scam. Dans le scam, il y a le kidnapping scam. Donc, le parcel scam, c'est quoi? C'est-à-dire, tu vas avoir, ça, c'est surtout les étrangers qui font ça beaucoup. Les Coréens ne font pas ça trop. Tu vas recevoir un appel de l'étranger. Bon, ce sont aussi les Coréens qui sont à l'extérieur. Bon, ça, je vais pas... Ça arrive. Donc, on aurait quelques images peut-être. Donc, il y a le parcel scam, c'est quoi? Parcel, c'est genre un carton, un colis. Tu vois, un colis. Donc, quelqu'un va t'appeler. Donc, ça... Comme je disais ici, on va d'abord lire ce que j'ai écrit. S'attaquant aux populations d'immigrants, les escrocs prétendent que la victime a un colis qui doit être récupéré. Tu vois, donc dans le colis, il y a des billets de banque, aucun colis, mais juste pour retirer tes informations personnelles. Tu vois, donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire, quelqu'un va t'appeler, par exemple, ils vont toujours dire qu'ils sont en Irak, ou les pays en guerre, ou en conflit, ou au Somalie, ou un truc du genre. Ou alors aussi, je ne sais pas certains, mais vous avez reçu des emails comme ça, quelqu'un va te dire qu'il est dans une grave maladie, puis elle va peut-être mourir, mais elle a tant de millions dans le compte, elle a besoin de ces informations, ça c'est un autre genre. Mais il y a aussi ceux, ils te montrent même les vidéos de l'argent, de tout, ils te disent, bon, on va envoyer ça, donne ton nom, tes informations, ton adresse, tout, on t'envoie ça, toi tu passes, moi tu récupères. Tu vas même discuter avec l'économie, la douane et tout, c'est non, c'est pas un problème, on a déjà mis ça, c'est une valise diplomatique, on ne va pas vérifier tout ça. Tout ce qu'on veut, c'est juste, tes informations, ton adresse, ton numéro de téléphone et tout ça. Et après, la personne tu vas partager tes informations et puis tu vas te faire avoir. Ou il y a le kidnapping scam, ça c'est récemment aussi que j'ai aussi même rencontré quelqu'un qui était victime de ça. Kidnapping, c'est toujours en Corée. Ça, c'est un genre où ils s'attaquent beaucoup aux parents, aux vieilles, les adultes, bon, un peu au-delà de 60 ans, la tranche d'âge un peu de vieillard et tout. Au début de la vieillesse, le vieillard, on va t'appeler, maman telle, ils font semblant de ne pas connaître ton nom, comme la maman, elle n'est pas trop, elle n'est pas familière. Familier aux technologies. Donc, elle va donner son nom. Oui, c'est quoi? Oh, on a ta fille ici. Ta fille s'appelle tel nom. Bon, je ne sais pas comment ils ont aussi fait pour avoir l'information. Oui, elle nous doit, elle a pris une fois, elle a pris une fois un prêt et elle n'a pas encore répondu. Donc, ça fait 50 millions. Il faut rembourser ça aujourd'hui, sinon on la tue. Elle est avec nous. Ils mentent, hein, tout ça, ils prétendent, tout ça, les courants, ils paniquent. Elle va appeler la fille ne répond pas. Ils ont bloqué le numéro de la fille et tout ça. Donc, elle va paniquer. Elle va aller prendre l'argent à la banque. Et tout ça, et c'est là où beaucoup de petits, c'est dans le système là que beaucoup se font même avoir le kidnapping et puis le truc de l'info bancaire là, on y reviendra un peu plus, ils sont les plus répandus où beaucoup de victimes se font vraiment avoir ici, incluant nos frères. Donc je vais un peu séparer un peu hormis ce que j'ai dit. Donc le type de victime, c'est là où vraiment le plus important. Bon, nous en tant que jeune, bon, je veux dire les extorqués, par exemple. Donc, j'ai ces parents d'eux, j'ai dit les extorqués et les receleurs ou les complices. Donc, les extorqués ici, je trouve que ça ne nous concerne pas trop. Mais c'est quand même bien d'avoir. Bon, parce que tout le monde, comme je disais ici, tout le monde est où? Tout le monde peut être une victime. Tu vois, du voice phishing. Donc, dépendant de la nationalité de tout un chacun, l'origine, ça n'a rien à voir. Tu vois, donc, mais tout dépendra de la catégorie où tu peux être reversé en fonction du type de fraude mentionné précédemment. Donc, ça, c'est ce que j'explique au départ. Parce que tu peux être étudiant, tu vas forcément avoir des messages qui correspondent aux bourses et tout. Si tu es un chercheur du travail, tu vas tout d'un coup trouver, l'algorithme va forcément trouver que non, lui, là, il fait un peu trop les recherches sur tel. Du coup, tu vas recevoir beaucoup ce genre de choses. Si tu fais les recherches sur les maisons, tu vas retrouver les choses sur les maisons. Si tu fais les recherches sur les crédits, chercher à avoir les crédits à la banque, tu vas aussi recevoir ce genre de messages un peu plus. Tu sais que tout est maintenant en ligne. L'algorithme aussi, en même temps que ça t'aide à trouver les informations que tu aimes faire à la recherche en ligne, c'est la même chose. Ça aussi, ça aide aussi ces mêmes personnes aussi à te chase you down. Non, c'est ça en fait. Donc, c'est un peu l'algorithme marche. C'est négatif et c'est positif en fait, dans les deux sens. Donc, c'est un peu ça. Les escroqués sont un peu les personnes qu'on retire de l'argent. C'est un peu ça ce que j'essaie de dire. Donc, de toute façon, quand des grandes sommes qui se font arnaquer, des grandes sommes d'argent ou des petites sommes d'argent ou des biens matériels ou quoi que ce soit,
Ce sont les espoirs. Mais maintenant, pour ce qui nous concerne ici, c'est qu'on doit être plus, on doit être très vigilant. C'est parce que ce n'est pas, ce sont les receleurs ou les complices, comme on les appelle ici. Même si tu es innocent, on va t'appeler le receleur ou un complice. C'est ce que les gens doivent d'abord savoir. Donc, dans ce cas, c'est quoi? Il s'agit ici du recrutement. On recrute beaucoup. Pourquoi aujourd'hui on est venu faire ce séminaire? C'est parce que vous allez forcément arriver à un niveau où on va vouloir vous recruter. Mais il va savoir prendre, il va falloir distinguer, il va falloir, comme on dit dans les églises, avoir le discernement. Il va falloir avoir le discernement. Que non, oh, ça c'est quel genre de travail qu'on me demande de faire? Est-ce que c'est honnête? Non, je trouve que c'est un peu trop facile pour un argent trop rapide. C'est à toi de faire le discernement. Mais comme on dit, la galère peut parfois nous faire prendre des mauvaises décisions et croire qu'on est plus malin que le système. Donc, il faut vraiment faire gaffe. Du coup, c'est ça être receleur. Un receleur, c'est quoi? C'est que on va te les ordonner, les chefs eux-mêmes là-bas, les truands et autres, qui ont tout un système bien organisé. Donc, ils ont les informations. Ils savent qui a l'argent, qui n'a pas l'argent. Ils ont déjà ciblé quelques personnes. Le coup est réussi. Maintenant, il va falloir encaisser. Ça, c'est la partie qui devient sensible pour un gars du voice phishing. Parce que lui, un receleur, c'est quoi? Il va te mettre tout en place. Il va aller chercher l'information. Il va aller tout. Hein? Il a trouvé la personne qu'il faut escorquer. Mais maintenant, qui va aller au checkpoint? On appelle ça le checkpoint. Le checkpoint, c'est quoi? Soit tu vas aller prendre le cash quelque part, que tu vas aller déposer quelque part. Ou tu vas prendre des cartes de crédit, tu dois aller dans les guichets, retirer l'argent et prendre du cash, prendre du retrait en cash et aller redéposer ça aussi quelque part. Donc tout ça, il faut maintenant des personnes qui peuvent être visibles dans la ville, qui peuvent sacrifier leur visage, leur information physique et corporelle, vraiment comme ça. Et ce sont ces personnes-là qui se font attraper. Et ce sont elles qu'on appelle les receleurs ou les complices. Deux fois, comme on dit, la plupart du temps, des pauvres innocents sont recrutés. Ces receleurs ou complices sont souvent distingués par catégorie sociale. Tu vas voir chez les Coréens, par exemple, entre eux, s'ils se connaissent, ils vont beaucoup viser les sans-emploi. Donc, tu vois peut-être quelqu'un, il va peut-être être au métro, il va remarquer des personnes et tout ça, il va lui proposer un petit boulot, il va faire semblant de faire comme si c'était une église ou un truc du champ, et puis, c'est entre eux, ils se connaissent. Maintenant, pour les étrangers, chez les étrangers, les plus en vogue sont souvent les Chinois, les Philippinos, et maintenant aussi, il y a les Vietnamiens. C'est pourquoi j'ai dit plus bas, récemment, certains parmi vous aussi, vous avez dû remarquer que la grande vague d'arrestation des frères et sœurs africains depuis ces deux dernières années, parce que les Africains aussi ne savaient pas. C'est les premiers qu'ils ont recruté beaucoup, c'était les Chinois, parce qu'ils n'avaient pas confiance aux Africains, machin et tout. Mais c'est maintenant, les Chinois, on en a beaucoup attrapé, les Philippinos, on en a beaucoup attrapé, les Vietnamiens, donc on a mis beaucoup de... Donc ils sont très au courant par rapport aux machins. Ils ont amené des nouvelles recrues, c'est maintenant les Noirs, parce que les Noirs, on ne pouvait pas trop... Tu vois, c'était inimaginable que les Coréens vont travailler avec des Noirs, tu vois, dans ce genre de scénario, tu vois. Donc, ils ont profité de ça. Dans les deux dernières années, là, tout, tu vois, les Noirs, maintenant, sont pleins là-dedans. Avant, c'était quelques Noirs, maintenant, aujourd'hui, ils sont pleins. Tu vas voir beaucoup d'étudiants qui se font arrêter. Les femmes, les filles comme les hommes, ça n'a pas de distinction sexuelle. Donc, de sexe. Distinction de sexe. Donc, du coup, c'est ça, en fait, un complice ou un receleur. On te recrute pour aller rechercher l'argent dans un checkpoint. Donc, on va t'appeler, on va te dire, donne ta carte nationale. Ils vont faire semblant de faire comme si c'était vraiment officiel et tout. On va te prendre ta ID, on va te dire, cale ça là-bas, tu vois, on va t'envoyer les instructions, on va te dire, non, tu vas aller récupérer chez des habits, c'est du quick cash, machin, quick cash, genre l'argent rapide. On va te dire, par exemple, va là-bas, prends ceci et va déposer là-bas, on va te donner 200 000. Bon, quand tu es jeune, tu as jamais fait le business, tout d'un coup, comme ça, on te propose 100 000, 200 000, comme ça, forcément, tu es excité. Là, c'est quand tu es naïf. Mais ceux qui sont déjà au courant de la situation, eux, ils demandent même les 1 million et le gars, il ne goûte même pas. Parce qu'il sait que c'est toi qui mets en exergue ta physiologie là à l'extérieur et tout. Donc, les caméras te filment partout et on peut te courser et on va te rattraper. Tu vois? Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est dans le cadre-là qu'on va beaucoup s'attarder, dans le cadre des receleurs. Donc, les estorqués et tout, on avait déjà un peu parlé, donc on va un peu passer. Voilà.
Bon, là, c'est le type de message qui concerne un peu les stores. Comment se fait stocker son argent? Par exemple, aujourd'hui, il y a les types de messages de Corona, par exemple. Donc, si tu n'observes pas une sorte de jurisprudence, donc il y a deux types de messages. Il y a des gens, il y a ce qu'on appelle le gouvernement envoie souvent des aides pour aider les personnes qui ont le Corona ou ce genre de choses et tout ça. Donc, en général, quand c'est un message officiel du gouvernement, c'est qui Johnson Munja, donc, tu vois, on va te parler des choses du Corona, appelle ceci, mets le masque, les trucs, machin. Et si c'est un truc ou qui concerne des choses d'aide à la maladie ou bien à une situation particulière parce que tu as fait le Corona et tu as eu le Corona, ou bien on va te dire. Donc, ce sera pas un message où on va, par exemple, te dire clique sur un lien tel ou bien télécharge tel ou bien machin. Ce sera toujours un message simple avec des messages et on va te dire voici, appelle tel numéro, tu vas citer tes informations et on va te dire ah oui, c'est vrai. Après, on va te demander les informations. Bah, c'est toi qui appelles le numéro et tout ça, machin et tout. La personne va state parce que les trucs sont toujours recorded. C'est enregistré et tout ça. Enfin, mais pour un scammer, tu vois, il va te dire oh, voici Corona, blablabla. Bla, bla. Après, il y a un lien. Un lien, ni tête, ni queue. Tu vas seulement appuyer. Boum. Pour nous qui avons beaucoup de choses dans le téléphone, donc tu as l'internet banking, machin, tout. Boum. Ton téléphone va se bloquer tout d'un coup. Il a la même mise sur ton téléphone. Il va commencer à manipuler ton téléphone même devant tes yeux. Ou alors, il va juste abstract your security, comme ça. Le security, machin, étude d'internet banking, comme le security là. Donc, on va te prendre ça. Ou bien ton numéro, ou bien des informations simples pour revendre, en fait. Tout ça, c'est des personnes. Le genre de message là, ce n'est pas directement les scammers qui te contactent. Là, ce sont des personnes qui vont revendre les informations, en fait. Il faut vraiment comprendre l'aspect là. Les gens ne comprennent pas ça. Les gens pensent que non, directement, c'est le scammer qui est là direct. Non. Ceux qui sont ici à dans le territoire, là, eux, ils prennent seulement tes informations et ils revendent ça à d'autres gars. Donc, toi, et puis maintenant, ça, c'est aussi, comme je disais tantôt, l'algorithme dirige par rapport au machin. Mais bon, j'ai juste mis ça ici parce qu'il n'y a pas que les étudiants dans la communauté. Il y a aussi des travailleurs comme moi ou comme d'autres. Donc, nous, là, des fois, tu fais peut-être des recherches sur la maison, comment tu peux ne pas vouloir peut-être payer le bojongum, tu veux peut-être utiliser une banque pour t'aider à payer le dépôt, les trucs comme ça, tu vois, l'algorithme va l'envoyer l'information. En général, une banque, quand tu fais les recherches, quand tu as été accepté pour avoir un crédit bancaire et tout ça, ils vont forcément te dire, bon, voici la date que tu peux faire la chose, machin et tout. Après, il faut passer à l'agence et tout ça pour valider la chose. Mais les gars, là, eux, ils vont te dire, voilà, tant, on va te donner tant, pour tant de trucs, pour tant de pourcentages, déjà, tout. Et toi, dans le maboulisme, tu commences à faire le manipulation et tout ça, et tu te fais avoir. Bon, ça, on est ça comme quelqu'un disait dans les spams et autres, tout ça, machin, il faut faire attention, ça, c'est populaire. Pareil aussi. Voilà. Ce que je disais tout à l'heure, le pick-up bag, ça c'était une expérience. Tu vois, quelqu'un va t'envoyer les messages. De toute façon, les slides seront envoyés ou seront mis à la disposition certainement de tout le monde. Donc, vous pourriez manipuler, écarter pour lire un peu le contenu des messages. Tu vois, quelqu'un qui te contacte seulement de nulle part ailleurs, comme ça, nice to meet you, blablabla, bla, bla, comme je disais, va te dire, oh, je travaillais en Syrie, je suis coréenne, mon père est mort, ma mère est morte, là, j'ai envie de retourner en Corée, mes amis et moi, on a arrêté un dictateur et on se retrouvait avec 50 millions, c'est partagé, donc là, j'ai mis 10 millions de dollars, j'ai envie de faire partir ça en Corée et tout ça, mais le problème, c'est que je dois d'abord aller à Houston et au State, on ne peut pas mener l'argent comme ça, mais la Corée accepte. Donc, on a stimpé ça avec l'étude de diplomatie et tout, pour que ça ne soit pas fouillé. Va chercher ça là-bas, tel, et tout. Mais donne d'abord tes informations, tel. Et après, quand tu as donné tes informations, la partie où tu te fais maintenant avoir, c'est laquelle? C'est, à un moment donné, on va te dire, ah, par rapport au... La personne va peut-être 2-3 jours plus tard, elle va te dire, oh, mais tu te rappelles du sac et tout, c'est en transaction, mais le problème, c'est qu'il faut que je délivre ça au niveau de la, pour dédouaner ça maintenant au niveau de l'Irak. Donc, j'aurais besoin, tu n'as pas vu une carte bancaire où moi, je vais te mettre l'argent. Là, la personne va te dire, non, toi, envoie tes informations bancaires. Ce n'est pas que tu me donnes l'argent, envoie-moi juste tes informations bancaires et moi, je vais mettre de l'argent à l'intérieur. Tu vois. Et là, quand tu donnes tes informations, et hop, tu te fais machin. Voilà. Et ça, ce sont les messages toujours pour recruter. Tu vas voir, les Chinois, ils vont t'envoyer les messages nulle part ailleurs sur WhatsApp ou sur même les liens de rencontre. Ouais, c'est un lien de rencontre. MIF, je ne sais pas, certains parmi vous connaîtront. Tu vois, tu vas voir quelqu'un, nice to meet you. Hi, I'm Lee, blah, blah. Hey, do you have time now? Introduce you to this part-time job.
très part-time job, on connaît tous. Voilà, donc c'est un peu ça. Et maintenant, bon, les précautions, effectivement, vous les connaissez. Dans de nombreux cas, les appelants ils vont désigner comme des spécialistes dans tel. Donc, il faut observer une jurisprudence parce que je sais que tu n'as peut-être pas fait une manipulation information bancaire ou tu n'as rien fait avec comme délit, mais tout d'un coup la police t'appelle, pourquoi machin tout, donc du coup tu raccroches, ce genre d'appel tu raccroches direct, tu vois. Et si ces appelants sont légitimes, tu vois, tu leur demandes d'authentifier par exemple leur affiliation professionnelle et tout ça machin et tout, si c'est vraiment quelque chose qui te sonne à l'oreille que ouais j'ai fait un truc, il faut quand même avoir un précédent avant d'aller au succédant. Donc du coup s'il y a pas d'history, il y a pas de background dans ce qui se passe, je pense que l'idéal ce n'est pas de pas considérer. Et puis ne pas céder à la pression parce que la personne va te mettre dans, comme je disais, le sentiment d'urgence, à la panique, ou comme un signal, ça peut être un signal d'alerte, parce que si c'est trop urgent, tu peux te poser la question toi-même que mais pourquoi tant de je sais pas, pourquoi ce sentiment d'urgence sur quelque chose, je n'arrive même pas à me rappeler. Donc c'est ça. Donc ne cliquez pas sur les liens dans les emails phishing et autres machin, je crois que tout le monde connaît ça, tu vois, parce qu'il y a plusieurs pièges et tout ça correspondent à susceptibles à des pièges qui conduiront au téléchargement des programmes malveillants, blablabla. Voilà. Donc si vous recevez des appels non sollicités d'une personne souhaitée proposer n'importe quel type de service ou informatique, ne doivent pas essayer de rappeler ou en utilisant le même téléphone que celui sur lequel il a reçu l'appel. Donc voilà, faut faire attention. Et puis s'il y a ce genre de situation aussi, tu peux toujours faire appel à ton frère. Non, ah, je reviens tout. Ben, toi, tu penses à quoi? Tu vois ça comment? Toujours, des fois, faut pas trop rester dans son coin et croire qu'on est plus malin que les autres. Tu peux demander à ton ami que non. Quand tu as une expérience sur ce genre de travail, que ce soit un bon travail ou un mauvais travail, il faut toujours d'abord prendre un peu la température. On ne sait jamais. Ça peut être quelque chose de malsain et qui va te nuire toi personnellement. Tu vois? Voilà. Donc, et j'ai appris qu'il y a maintenant aussi certains. Désormais, il y a beaucoup de technologies avancées, surtout pour les, je sais pas pour iPhone, mais je sais que Samsung aussi offre maintenant les trucs les options où tu peux savoir si c'est un appel non désiré ou pas. Donc, ça va te dire, si c'est un spam, ça va te dire, genre, c'est un appel spam, machin, tout. Donc, tu te raccroches seulement, pas besoin de machin, ou message spam, ça va te dire une alerte. Voilà. Donc, voilà. Allô? Je voulais te laisser filer avant d'intervenir, mais bon, voilà, je dois retenir un peu dans mes choses là. Je voulais juste. Non, mais j'ai même fini. Voilà, je voulais juste donner quelques conseils par rapport juste à mon expérience. Quoi, que bon, voilà. Ah quoi, oui. Tu allais donner tout le coin, tu allais dire tout ce qu'il fallait, mais je voulais juste dire quoi. Oui, par malheur ou bien par malchance. Quelqu'un peut se retrouver dans cette situation et tout, voilà. Attends d'abord, Kenny. Ça, Kenny, c'est un petit frère qui a une expérience personnelle à partager avec vous, donc, ouais, prenez-en connaissance. Vas-y, Kenny, continue. Par rapport à ça, comment les choses, même par malchance ou par erreur, si quelqu'un se retrouve dans cette situation ou quoi. Comme vous savez, comme nous sommes déjà nous, tout ce qui vivait en Corée, c'est que, voilà, quoi, les Coréens ont déjà eu certaines règles envers nous, spécialement l'administration. Donc, au cas où quelqu'un se retrouve dans ce genre de situation, le conseil que je peux donner, quoi, c'est que il faut jamais faire confiance aux policiers ou aux procureurs. Jamais. Même à ton avocat. Même si tu l'as payé de ton propre argent. Jamais. Parce qu'ils ont une certaine habitude, et ça c'est quelque chose que j'ai compris quand j'ai eu ce même problème de voice phishing. J'ai croisé beaucoup de différents cas, pas juste de voice phishing, mais dans toutes sortes de crimes, que ce soit le viol, la drogue, et qu'on sort, j'ai croisé beaucoup de personnes dans des cas où, en général, ils sont jamais innocents, mais ils sont, bon, je sais pas, je ne peux pas être sûr s'ils sont innocents ou coupables, mais si je peux dire que je les crois, c'est parce que, voilà, moi-même, j'étais dans la même situation, quoi. C'est que, en général, les gens vont penser que la justice est toujours pour les Coréens et pas pour les étrangers, mais ça, c'est faux. Il faut savoir que les policiers, le procureur lui fait son travail. Son travail, c'est juste d'incriminer les gens et de faire tout pour les mettre en prison.
Et quand tu sais que tu n'as rien fait, quand tu sais que tu ne te reproches de rien, il ne faut jamais accepter quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'on peut te dire que non, tu sais, tu es étranger. Si tu acceptes, ça va être plus facile, ça va être plus rapide. Mais si tu refuses, ça peut prendre du temps, machin et tout. Tout ça là, c'est des conneries, en fait. C'est-à-dire que c'est juste parce qu'on sait que voilà, tu es déjà sous pression, tu es mentalement, tu es déjà détruit. Et ils se servent de ça pour vouloir te faire accepter les choses et signer des aveux que voilà quoi, que après tu vas retourner bien parfois, après tu ne vas même pas te rendre compte si tu ne trouves pas quelqu'un qui peut te sortir les vérités quoi. Donc si par malheur ou bien par malchance quelqu'un se retrouve dans ce genre de situation, il ne faut jamais rien accepter. Même si on te dit que ça va prendre un an, deux ans, lui, il n'y a pas de problème, je vais attendre un an, je vais attendre deux ans, que l'enquête se passe normalement. Moi, mon propre avocat est venu me voir, il me dit que non, tu sais, si tu lis, même si tu n'as pas fait, mais tu es étranger, même le procureur de la République, comme ça, parce que depuis le départ, j'ai nié, ils ont fait ce qu'ils ont voulu faire, ils ont voulu me faire, c'est qu'ils ont voulu me faire signer les avis, j'ai complètement refusé, que je ne peux pas signer. Si on doit me punir parce que j'ai fait ça, et que la loi me punit pour ça, ok, il n'y a pas de problème. Mais je ne vais jamais accepter que j'ai fait du mal alors que je ne faisais pas du mal. Parce que même le procureur voulait me faire signer les avis en me disant que non, voilà, tu as fait du mal en Corée, tu ne veux pas accepter, tu es seulement en train de te défendre, tu as voulu refuser. J'ai dit que non. Si la loi me punit pour ce que j'ai fait, il n'y a pas de problème. Mais vous ne pouvez pas me faire accepter quelque chose que je ne reconnais pas avoir fait. Et c'est la raison. Et si aujourd'hui je suis dehors, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui savent que je suis en prison, mais si aujourd'hui je suis dehors, c'est tout simplement parce que j'ai gardé ma position en fait. J'ai continué à nier les débuts, à refuser les débuts, les faits du début jusqu'à la fin. J'ai dit, ouais, c'est quoi vous m'accusez d'avoir fait? J'ai parti prendre l'argent à X collègues, je reconnais que je l'ai fait, oui. Je ne mens pas, moi je vous ai détaillé, je vous ai donné tous les faits. Mais savoir que c'était une false phishing, ça je ne le savais pas. Et honnêtement, j'ai trouvé des gens en prison qui ont pris 4 ans, 5 ans de prison. C'est vrai qu'il y a certains qui savaient ce qu'ils faisaient, il y a d'autres qui ne savaient pas. Ça c'est par rapport au false phishing. Par rapport même, parce que aujourd'hui, excusez-moi, le débat c'est sur le false phishing. Oui. Mais il y a aussi les histoires comme le viol. Des trucs comme ça. Bah, par exemple, le viol. Aujourd'hui, vous entendez beaucoup d'Africains sont en prison parce que voilà, les étrangers sont en prison parce que voilà, les accusés d'avoir violé, la justice les a condamnés. La justice ne les condamne pas parce que les gars ont vraiment fait. La justice les condamne parce que tout simplement, les services, les enquêteurs, les services de procureurs les ont préparés à admettre les faits. C'est-à-dire que bien avant d'arriver au tribunal, ils ont signé des aveux, même sans le vouloir. Parce qu'ils étaient déjà sous pression, ils étaient déjà dans un stress. Alors, les services du procureur et les policiers ont profité de ça. Pour faire couler, faire signer les aveux en reconnaissant qu'ils ont fait du mal. Et quand tu arrives devant le juge, s'il y a déjà les aveux, il n'y a pas de raison pour que le juge vérifie le dossier. Alors que quand tu arrives devant le juge se demande que tu as fait ça, tu dis au juge que je n'ai pas fait. Dans ce cas, le juge ou la juge fera sa propre enquête pour vérifier les faits. Mais si tu arrives devant le juge ou la juge, tu reconnais déjà avoir fait les faits, il n'y a pas de raison pour elle ou pour lui de vérifier le dossier. Tout ce qu'il a fait, c'est de donner ta punition et passer à un dossier suivant. Donc, honnêtement, le conseil que je peux donner en étrangère, c'est que si quelqu'un se retrouve dans ce genre de situation, quelle qu'en soit la situation, pas juste par rapport au false phishing, quelle qu'en soit la situation, si tu reconnais que tu es innocent, que tu n'as rien fait de mal, n'admets jamais les faits. Jamais, même si on te dit que le procès en Corée ne prend pas 2 ans. Si un policier vous dit ça, c'est du mensonge. Le procès en Corée ne prend pas 2 ans. On va te dire que rassembler les preuves peut prendre 2 mois, 3 mois. C'est peut-être vrai. Mais la loi coréenne dit qu'un policier ne peut pas te garder plus de 2 jours. Plus de 10 jours. Le procureur ne peut pas te garder plus de 10 jours. Donc, même si le rassemblement ne peut pas prendre 6 mois, 1 an, 2 ans, ils ne peuvent pas te garder plus de 10 jours. Si en 10 jours, ils n'ont pas pu réunir les preuves, ils doivent te laisser partir. Et en général, ils disent le fait que ça va prendre du temps. Pour les gens qui ne connaissent rien par rapport à la loi coréenne, parce qu'ils savent que bon, c'est de la suppression, si on te dit que ça va prendre plus de 2 mois, 3 mois. Et en général, vous savez, beaucoup d'étrangers savent déjà que moi, on est en Corée, la loi coréenne sont différentes. Tout ça, c'est du mensonge. Tout ça, c'est du grand mensonge. Si vous pouvez imaginer, c'est que les lois coréennes sont même très, très souples. La loi coréenne est très méchante quand tu te condamnes coupable. Elle est sévère, ça, c'est vrai. Mais quand tu es innocent, tu es innocent. Et la loi coréenne est très souple par rapport à ça. Donc ne vous laissez jamais avoir sur le fait que non, tu es étranger, machin. La justice ne connaît pas ça. Le procureur, le policier va te faire comprendre que tu es étranger, oui, c'est vrai. Mais quand tu vas arriver devant le juge ne connaît pas que tu es étranger, le juge ne connaît pas que tu es coréen. Ce que le juge sait, c'est que la loi, c'est la loi.
Ça, c'est le seul conseil que je pourrais donner, quoi, par rapport à mon expérience. Ok, oui, oui, ça c'était une petite expérience personnelle du frère Kenny qui a vécu une situation où il a été accusé à tort et il est passé par plusieurs façades là et tout, et émotionnel. Et donc, on a tous vécu ça là ensemble et il s'est vraiment beaucoup battu aussi lui-même là-bas et tout. Et c'est un peu la même situation que Ibala avait partagé avec l'autre frère. On ne sait pas trop comment ça s'est fait. Comme on dit, il y a souvent certaines personnes qui se font avoir. Et aujourd'hui, on crée l'awareness parce qu'il y a beaucoup d'informations qui sont en anglais ou en coréen et puis ça passe comme ça. Normalement, les choses comme ça, je pense peut-être que pour ceux qui sont en UNID, j'ai peut-être un nouveau programme peut-être là-bas où on, quand vous faites la langue, peut-être on vous introduit ça aussi, je ne sais pas. Mais c'est des choses qu'il faut quand même connaître. Et c'est, on parle de ça comme si c'était encore juste au niveau... séminaire, internet, comme la blague, comme une information qui n'existe pas. Mais quand ça t'attrape, quand tu tombes dans ça, pour ressortir, c'est un peu difficile souvent. Tu peux même te faire on peut te rapatrier. Rapatrier. Oui, on peut te rapatrier ou bien tu peux faire de la prison si tu n'es pas chanceux. C'est pas tout le monde qui est chanceux. Kenny, c'était un cas vraiment exceptionnel. C'était vraiment un cas exceptionnel. Vraiment, c'est dans tous les cas. Sur 10 cas, 8 vont en prison. Donc, 10 sur 10 cas, 8 vont généralement en prison. Tu vois? Donc, vraiment, lui, il a eu sa chance et il faut faire souvent attention. Voilà, donc, je crois que Kay, donc tu vas prendre le relais au slide là-bas. Donc, je quitte ou bien tu vas partager? Ok, donc okay, il va prendre la partie application mobile et tout. Je crois qu'il nous reste 2 slides et puis je crois qu'on va partir à la partie question. Ok.
Ok. Bon, il n'y a plus grand chose vraiment à dire. Il ne reste plus juste que, bon, que je voulais. C'était juste un petit partage personnel comme ça avec vous. Je ne sais pas si vous avez accès. Vous avez accès à. Allô? Ok. Voilà, c'était juste un petit partage comme ça avec vous, comme ça, un petit partage personnel que j'ai découvert. Il y avait un entretien en ligne là qui traînait dans la source en dessous là. Vous pouvez le voir en intégralité sous le lien. C'est un Coréen qui a commencé ça dans les années, il y a plus de 10 ans. Il recrutait ce qu'il faisait. Mais par contre, lui, il était un peu plus basé sur le phishing qui concerne à recruter les étudiants, à ouvrir des comptes bancaires et vous le revendez vos comptes, vous revendez vos cartes en fait. Tu revends ton compte bancaire en fait. Donc il achetait les cartes à 500, 800 000. Donc il collectionnait des cartes et puis il revendait ça au plus haut là-bas parce que les gars, eux, ils faisaient des reversements dans ces comptes-là dans leurs transactions frauduleuses. Et c'est là où ils pouvaient aller retirer du cash au checkpoint et tout avec votre nom. Mais quelqu'un d'autre, quoi. Donc au lieu que ce soit cette personne, donc c'est ton nom qui est là avec le I, tu communiques aussi le mot passe et tout ça. Donc voilà, on utilisait ton identité quoi, pour faire des transactions frauduleuses sur toi. Donc, c'était un peu ça son truc. Donc, c'est intéressant pour ceux qui veulent approfondir déceler ce genre de type de phishing aussi. Donc, on peut utiliser tes informations. C'est de l'argent gratuitement. Imagine, on est des jeunes étudiants, vous n'avez pas l'argent. Il y a beaucoup de problèmes en Afrique, tout ça, machin, tout. C'est pratique. Quelqu'un, il t'approche. Oh, petit, donne seulement. Tu vas dire, ah, mais ça, c'est rien. On me demande seulement d'ouvrir un compte. Un compte, c'est quoi? Tu vas là-bas, tu es étudiant, tu ouvres le compte et tout. C'est pourquoi même la loi coréenne, c'est à cause de ce genre de personnes-là qu'on a même les Coréens. Aujourd'hui, maintenant, il y a beaucoup de lois sur un étudiant ne peut pas peut-être ouvrir tant de comptes. Ou bien on te limite ton retrait à 300 000 won, tout ça. Vous pensez que c'est à cause de quoi? C'est pas fait parce que c'est pour vous. C'est vrai que c'est embêtant, mais ça a été fait parce que beaucoup d'étudiants, on se rend compte que beaucoup d'étudiants sont tombés dans ce système de frauduleux et tout. Tu vois? Donc, du coup, pour prévenir ça aujourd'hui, maintenant, même en Corée, vous savez ça, si quelqu'un te fait un versement, tu peux pas retirer ça aussitôt. Tu vois, on doit d'abord, il y a d'abord la clarification si c'est vraiment l'argent là est honnête ou pas honnête. Donc, il y a 30 minutes, ça fait, c'est lui qui a proposé même le programme. Donc, il est devenu une bonne personne, en fait. Donc, il a fait une mauvaise chose, il est allé en prison, il est sorti, il a créé maintenant toute une agence pour combattre le phishing et tout ça, machin, et tout. Donc, il donne des astuces et les banques utilisent ça maintenant. Donc, il est un des initiateurs aujourd'hui du bon côté, qui sait. Donc, aujourd'hui, qui nous permettent d'avoir ce genre de... Ah, c'était un peu ça. Et puis... évidemment, ça a été déjà partagé. Donc, le gouvernement aussi fait son effort de partager les choses en ligne et tout ça. Donc, il faut beaucoup se connecter aussi sur les sites de vos villes. Il ne faut pas trop souvent vous cloîtrer là dans votre coin. Il y a souvent des informations qui concernent seulement votre ville, mais il faut aller dans les sites. Il y a des sites souvent, par exemple, nous ici à Séoul, il y a iSeoulU.com, machin. Il y a souvent des informations aussi là-bas. Des fois, il y a l'English version, il y a des gens qui peuvent t'intéresser. Tu peux même aussi trouver du travail ou des albas ou du bénévolat à faire ici à gauche, à droite. Donc, il ne faut pas vous cloîtrer seulement. Ça peut être un plus pour vous. Donc, ceux qui sont à Gwangju et autres, chaque ville ici a un site internet où ils partagent des informations qui concernent les villes, les dangers qu'il y a, les choses qui sont un peu en trend. Donc, de votre ville, il faut souvent faire un tour. On ne sait jamais. Vous pouvez trouver aussi des trucs contre le COVID, des aides pour le COVID, personnes qui ont été sinistrées, tout ça, pour les sinistrés. Donc, c'était un peu ça. Donc, voilà, je crois que
Je crois que ouais, c'était la dernière page. Ouais. Donc, si vous avez des questions. Ok, merci messieurs pour vos interventions. Ah oui, oui. Ok. Merci, merci à M. Milando, merci à M. Ben pour vos interventions. Merci également à Kenny de nous avoir partagé son expérience. Je crois que la présentation est officiellement terminée. Nous allons passer à la phase questions-réponses. Donc, si les uns et les autres ont des questions, juste manifestez-vous et puis on vous donnera la parole et voilà. Ou si vous avez aussi des informations additionnelles. Oui. Voilà. Ben, est-ce que moi je peux parler si on m'écoute, bien sûr. Vous êtes. Merci. Déjà, moi je voulais simplement apporter. Bon, j'ai des questions en même temps aussi des confusions. Notamment, Monsieur Larry a fait comprendre un peu que. Quelque part, il y a des gens qui collectent des cartes bancaires. J'ai failli tomber dans ce genre de choses. On demandait ma carte ou bien on demandait, oui, est-ce que tu connais pas quelqu'un qui est sorti de la Corée et qui peut nous donner sa carte voilà, en fait, après on vous donne de l'argent. J'ai envie de savoir si cela est encore possible aujourd'hui parce que je pense que quand on sort de la Corée, ben, on rend la carte, en fait. Sauf si je me trompe dans un premier temps. Donc, est-ce que c'est encore possible avec ces histoires de cartes bancaires, et etc. Et si c'est possible, comment éviter ça? Et après, en fait, j'ai compris que quelque part, ça met une spicose parce que ça donne vraiment de la peur aux gens. Si aujourd'hui, on ne peut plus aider, par exemple, des gens qui demandent de l'aide ou bien les gens qui sont souvent placés devant des stations là pour des organisations, comment on peut voir ou connaître qu'en fait cette organisation là c'est de l'arnaque? Est-ce qu'ils sont fichés? Est-ce qu'il y a des endroits où on peut regarder ce genre d'informations? Et aussi, et pour terminer, une question en tant qu'étudiant, bon, je parle pour les étudiants, mais nous savons tous que dans son bac Corée il y a des étudiants, il y a aussi des travailleurs. Et en tant qu'étudiant, si on tombe dans ce genre d'arnaque, par exemple, tu participes, par exemple, à aller prendre de l'argent chez quelqu'un ou tu participes à un fait de phishing, si je peux le dire ainsi, mais quels sont les risques, en fait, en Corée? Est-ce qu'il n'y a pas de moyens pour pouvoir sortir de là avant, un peu dans le cadre de Kenny, il a eu de la chance, c'est vrai. Mais est-ce qu'on ne peut ne pas être averti un peu plus tôt? Quels sont les outils qui est un peu signalé ou bien relever les applications, en fait, et le numéro de téléphone? Mais pour quelqu'un qui n'a pas cette connaissance de numéro de téléphone et voilà, en fait, comment il peut, ou bien les applications, comment il peut sentir qu'il y a un false phishing qui se passe et quelles sont les retombées pour un étudiant, par exemple? Merci. Ouais, beaucoup. Je voulais enchaîner. Désolé. Pas de souci. Donc, je reprends, OK? Donc, bon, pour les cartes, c'est un peu pareil comme, par exemple, les cartes, c'est quoi? Comme tu as dit tout à l'heure, j'ai expliqué qu'il y a des personnes qui... C'est toujours... Ça existe toujours, pour répondre simplement à ta question. Ça existe toujours. Tous les voice phishing existeront toujours. Toute forme de voice phishing, elles vont toujours exister. Pourquoi? Bonne raison, elle est simple, c'est que
dans toute chose, dans tout genre de malfrat, dans toutes sortes de délits, il y a toujours le first step, le first, first level. Donc, on passe toujours first level, second level, fourth level. Tu ne peux pas directement au dernier level. Donc, du coup, les jeunes vont toujours commencer par les trucs simples jusqu'à ce qu'ils vont arriver à l'étage supérieur. Par exemple, Kenny s'est fait avoir comment? Il s'est fait avoir par un délit qui n'existe plus en Corée il y a plus de 10 ans, plus de 20 ans. Le kidnapping, par exemple. C'est des trucs qui n'existent plus en Corée. Mais il s'est quand même fait avoir, tu vois. Il y a une dame qui s'est fait avoir, bon, pas Kenny, une dame s'est fait avoir avec, tu vois. On a écrit, oh, voici, on a ta fille, on doit tel, tel, viens, machin et tout. C'est comme ça qu'il s'est fait attraper parce que lui, il va chercher l'argent. Il va chercher le cash et il amène le cash. Mais la dame, là, son histoire, dans le rapport de police, moi, j'avais lu le rapport de police, c'est une affaire de kidnapping. Même quand j'ai discuté avec l'inspecteur, il m'a dit, mais ça n'existe même plus. Je ne comprends pas comment la dame, là, elle a quand même tombé dans le piège. Tu vois. Comme on dit, la persuasion, on ne sait pas. Chez nous, en Afrique, on va peut-être dire, il parle avec le vaudou dans la bouche. Qu'est-ce que tu en sais? On ne sait pas. Ils sont très convaincants, mais... Tu sais, le problème, c'est que je dis, comme l'océan, il est tellement grand, si c'est une situation qui te tient à cœur et que ça tombe sur toi, tu peux vite mordre. Tu peux vite mordre. Par exemple, il y a un étudiant, tu viens à peine de terminer les études. Tu viens à peine de terminer les études, tu n'as pas d'argent, tu te cherches, tu ne sais pas si la cause, c'est vraiment la suite des trucs logiques et tout. Tu es un peu perdu pendant un ou deux mois comme ça et tout. On est tous passés par là. Quelqu'un te propose, petit frère, moi je veux ta carte. J'ai 1 million de won. Tu vas dire non, tu n'as pas d'argent. Tu peux accepter vite fait, tu dis non, mais c'est ma carte, il y a quoi? Tu vois? Et puis tu vas dire, ah, ton esprit va commencer à dire non, mais écoute, j'ai perdu. Honnêtement, est-ce que c'est un crime d'avoir perdu sa carte? Non, c'est pas un crime. Mais après, tu récidives parce que tu sais que ah, c'était un gain facile la première fois. 2, 3, 4, 5. On a le nom là aussi, ça, c'est un peu trop. Plusieurs cartes avec différentes dates, machin. Non, ça veut dire que tu peux même on purpose, tu vas avec choix faire des cartes, maintenant, pour attends, à un moment donné. Tu vois? Donc, c'est à toi aussi de prendre conscience que, bon, là, j'ai quand même fait, j'ai senti que c'était pas honnête. Ton subconscient te parle, tu as insisté, tu es quelque part fautif. C'est vrai qu'au niveau de la loi, tu vas douter, machin, tout et tout. Mais par rapport à ça, c'est que non, là, maintenant, c'est maintenant toi et ta personne, toi-même, à avoir le discernement de dire que, bon, j'en ai trop fait, ouais, j'ai pas envie d'aller au-delà, ouais, j'ai même pas envie d'essayer ça au risque de céder à la tentation. Donc, du coup, les cas, ça continue toujours. Reconnaître, tu parles aussi de reconnaître les gens qui sont souvent devant les métros. Pourquoi je parle de ça? C'est parce que les donations, honnêtement, moi, je connais pas vraiment le vrai procédé. Mais je pense quand même que si tu veux aider l'UNICEF, bien tu fais des choses comme ça, est-ce que le procédé, c'est d'envoyer les agents faire la mendicité sur la rue? Je ne pense pas que c'est ça, ce soit ça, quoi. Ou alors, je veux donner de l'argent, je donne en cash, 20, 2 000, c'est mon choix, c'est toi. Mais l'affaire, il faut me la mettre ton numéro, tu dois me la payer par mois, machin, tu sais ça. Ça, bon, je ne conseille pas trop, je ne conseille pas trop de le faire. Pourquoi? Parce que là, ils vont rester avec les informations pour une belle durée. Tu vois, jusqu'à peut-être quand ta carte va s'expirer ou tout ça. Est-ce que c'est vraiment safe? Je ne pense pas que ce soit safe. Tu vois, là, on est vraiment dans juste du... Il n'y a pas vraiment une marche à suivre qui est correcte, mais c'est juste... On lance juste un signe d'awareness que non, ah, si on veut aider, est-ce que la meilleure manière d'aider... c'est de voir les gens avec leur... de faire la mendicité dans tous les stops de métro pour prendre de l'argent aux gens. Je ne pense pas que c'est comme ça que les ONG fonctionnent. Les ONG ont déjà des contacts avec le gouvernement, tout ça, bien organisé. Ou bien tu peux aller sur leur site, par exemple. Ou bien tu peux appeler, prendre les informations. Non, bon, moi, je suis intéressé à faire certains dons et tout. Comment on s'y prend officiellement? Tu vois, je ne pense pas qu'ils vont te dire, oh, devant les stations de métro, on a nos agents qui peuvent vous aider. Je ne pense pas qu'ils vont te dire ça. Donc, ce qui veut dire que c'est quand même malfrat. C'est dangereux ce que les gens font là. On peut comprendre pour les églises et tout ça, mais quand même une ONG de renom, je ne pense pas. Et tu vas même voir, les noms sont souvent douteux même. Tu vois, les noms douteux. D'abord, je ne vois même plus les UNICEF et tout. Tu vois même plus les noms, maintenant, genre, save de quelque chose, ça c'est maintenant leur trend, maintenant c'est aussi, voilà. Save the planet, save the trees, save the children, save the blabla, nanana. Bon, c'est dangereux quand même. Et le troisième point, c'était quoi encore, j'ai oublié? Ouais, j'ai envie d'ajouter, bon, c'est vrai que tu as presque répondu, mais j'ai envie de demander, attends, est-ce que mettre ton compte bancaire
en fait, vous avez dit envoyer les informations bancaires. S'il te plaît, est-ce que tu peux me passer ton numéro bancaire? Est-ce qu'envoyer simplement un numéro bancaire à quelqu'un, tu peux te faire arnaquer? Oh, bien sûr. Comment ça se passe? Non, oui, je demande. Non, mais ça c'est le béaba de l'arnaque. Parce que je me rappelle, pour ceux qui ont de l'expérience, peut-être le grand Brice peut en parler. Parce que les gens qui font, par exemple, la résidence. Moi, j'ai eu le coup. Hein. Genre, il y a certaines personnes qui veulent appeler au Canada ou machin. Tu lances, tu vois un site qui vient te flirter sur Facebook. Tu cliques, tu commences à remplir un peu les informations. Tu vas voir aussi, ton va t'appeler. La première chose qu'ils vont te demander, c'est quoi? Ton nom, après, ils vont te demander, oh, moi, il y a les filles à payer. Tu peux l'abonner, donner une carte. Les gars, dès que tu mets la carte, ils vont te dire non, pas la carte là. Moi, j'ai fait exprès de donner une fausse carte. J'ai donné un numéro de carte, mais il n'y a pas l'argent. Il a envoyé ça, que bientôt j'ai jeté ça. Le gars, il m'a bien rappelé que non, la carte là, ce n'est pas une bonne carte. Comment lui? Il te dit bien non, la carte là, elle n'est plus valide. Oh! Mais parce que si je demande, c'est parce que si tu donnes le numéro de carte bancaire qui est par exemple devant, pour valider tes informations, il faut aussi donner à l'arrière. Donc, ah, si là, tu donnes seulement... Là, c'est à Milandou de reprendre. Comment ils s'y prennent? Voilà un peu ma question, en fait. Parce que donne-moi ton numéro de compte bancaire. Je vais t'envoyer de l'argent. Si je te donne le numéro que devant de la carte... Ah c'est non, grave. C'est possible. Parce que moi, j'ai fait des paiements. Tu en avais fait un paiement ici en ligne, en Corée? Ah non, moi, j'évite, en fait. Ah, ok. par exemple, quand je paye mon assurance, des fois, le gars, il m'appelle, il me dit juste donne le numéro de l'avant. Il ne me demande pas le numéro de l'arrière. Il débite direct. Tu n'as pas besoin de... Ça, c'est quand tu fais l'achat en ligne, toi-même, tu fais rentrer le numéro toi-même. Là, tu as besoin du CVC. Mais quand tu ne fais pas conscience, des fois, il y a des certains paiements où tu donnes seulement l'avant, là, et puis c'est tout. Quand il met, ça donne l'information que c'est une carte Visa, c'est dans le nom de tel, machin. Parce que le nom est attribué à ton nom. Le numéro sont attribués à ton nom, en fait. Du peu que je connaisse, je sais que tout est attribué à ton nom. Donc, s'il a tous les numéros, là, je pense qu'il peut avoir déjà quand même un sample de quelques tes informations. Et puis, ce n'est pas aussi la vie facile pour eux. Ils ont des ingénieurs, mon jeune. Ils ont des ingénieurs. Ici, là, on a attrapé tout un building. C'est un building en plein Gangnam. Hein. Quand tu passes, tu te dis que ce sont les sociétés qui sont à l'intérieur, machin. Et tout. Je vais peut-être chercher la vidéo, tu vas voir. Tout le building, c'était pour les scammers. Genre, c'est jusqu'au 12e étage. Du premier étage jusqu'au dernier étage. Premier étage, j'arrive, il y a les ordinateurs alignés. Le deuxième étage, c'est quand même le système téléphonique. Le troisième étage, il y a les levels. Et le propriétaire, il était au Nigeria. Tout un building. Bon, maintenant, imagine combien il a investi sur ça. Tu penses qu'il va pas mettre les ingénieurs? Il y a des personnes qui travaillent dedans qui ne savent même pas qu'ils travaillent pour un scammer. Tu vois, donc tu travailles, tu vas et tout. Ouais. Donc, c'est ça, quoi. Voilà. Merci encore. Et... Question? Oui. Je peux poser une question? Oui, toujours. Mais welcome, come on. Bonjour tout le monde. Déjà, j'ai pris ça un peu en retard. En fait, une question et puis une proposition. Oui. La première question, c'était un peu à Kenny. Bon, je me rappelle que Larry m'avait parlé de ça. J'étais encore en Corée, je pensais, Larry. Oui, c'était... Ouais, encore en Corée, je ne connaissais pas vraiment Kenny et tout. Donc, j'ai un peu pris ça en retard, je m'excuse. Kenny, tu as fait combien de temps en prison? Il n'est plus là, mais il a fait quelque chose comme 4 mois comme ça. Ah, ok. Non, la deuxième proposition, comme vous savez, j'écris beaucoup. Et là, je suis en train de terminer mon livre qui adresse vraiment les problèmes de kidnapping, de santé mentale, avec une histoire d'amour là-dedans et tout ça. Là. J'aimerais vraiment proposer à Larry, Kit et Kenny, les spécialistes là, si vous voulez vraiment travailler avec moi, d'écrire un livre là-dessus, mais c'est-à-dire avec des personnages, c'est-à-dire qu'il y a une histoire d'amour. Bon, c'est un étudiant qui est brillant. Et puis, bon, on a un gars, par exemple, un personnage comme Kit qui a fait sa thèse là-dessus. Et puis, on a un autre gars qui a aussi fait une thèse là-dessus, mais il y a le bon gars qui est Kit, qui va essayer d'aider, Kenny et tout. Et puis, bon, on a le mauvais gars, en fait, qui est le master de ces choses-là et qui détourne de l'argent, quoi. Parce que toutes les présentations, la présentation que Larry a faite, elle a beaucoup de détails.
Mais bon, en tant qu'éducateur, je pense que si on met, si on écrit un livre qui est basé sur une histoire vraie, avec des conversations, des scénarios, ça éduque beaucoup plus les gens. Les gens peuvent lire un livre d'une aventure de 100 pages ou de 200 pages et ça permet de mieux éduquer les gens sur la chose. Donc, ça m'a vraiment captivé. Et donc, s'il vous plaît, réfléchissez à ma proposition. Moi, je suis prêt à écrire un livre avec différents scénarios qui est un mélange. Cette fois-ci, Kit ne sera pas un homme, mais ça sera une femme hein, qui est amoureuse de Kenny. Voilà, et dont le combat de sa vie et de le sortir de cela et de faire la guerre avec le gouvernement, les avocats, de montrer les résultats de sa thèse. Donc, il faut aussi faire des recherches sur ce que les gens écrivent, sur des données scientifiques qui permettront que la conversation ait du sens, quoi. Un peu comme Kenny aussi disait, là, il se retrouve en prison, des gens qui ont admis des causes. Mais Larry, tu as parlé des articles. Bon, généralement, quand on fait... tu vois, ce genre de présentation-là, ou bien si tu dois défendre ton idée, c'est toujours bon de mentionner l'article spécifique, tu vois, non? Mmh. Un peu bon, l'article 240, voilà, du code criminel coréen dit ceci. Okay. C'est important parce que c'est ce qui le permet. Bon, pour ceux, bon, la plupart d'entre vous ne connaissent pas vraiment et ne connaissent pas mon histoire, je pense que c'est seulement Larry qui la connaît, parce que bon, moi j'ai mon fils qui a été kidnappé. Et donc, pendant des mois, j'ai étudié la convention de la Haye. Voilà. Donc, il y a les articles qui sont là-dessus, la responsabilité des parents et toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, bon, j'ai écrit un livre qui est déguisé dans le but d'éduquer. Et par rapport à ces affaires de voice phishing-là, ce que Larry a mentionné est très, très important. Les données scientifiques ou la thèse de Milandou, elle est vraiment importante parce que je ne pense pas qu'une personne ait lu la thèse de Milandou. Voilà, donc c'est des documents qui sont nécessaires. Et dans la thèse de Milandou, il y a des références. Mmh. Voilà, il y a des références qu'il a utilisées. Donc c'est vraiment quelque chose que j'aimerais vraiment proposer à chaud là, parce que ça me passionne beaucoup, parce que je suis ignorant de ça. Et quand Larry a parlé des arnaques au Canada par rapport à l'immigration, et c'est vrai. Voilà, moi-même, j'ai écouté des audios de ça, d'une fille tanzanienne qui a failli se faire avoir, et le gars qui parlait même avec l'accent de l'Inde et tout. Moi-même, ici au Canada, il y a des gens qui m'appellent à appeler ce numéro pour le problème avec la justice Canada, avec l'immigration Canada. J'ai dit, mon petit, tu as des problèmes? Je n'ai zéro problème. Voilà. Donc, mais c'est des choses que moi, je ne maîtrise pas. Les applications, par exemple, de Milandou et toutes ces choses-là, c'est ce qui devrait permettre dans le livre de faire une défense. C'est-à-dire quand la fille, elle arrive, elle présente, elle présente ça à la justice. Tandis qu'elle n'est pas avocate, mais elle devient une scientifique avocate qui fait tout. C'est-à-dire le combat de sa vie devient de faire sortir Kenny de la prison, en fait, en faisant des démonstrations et essayant de prouver son innocence. Et comment Kenny se retrouve en prison? Le gars se retrouve en prison parce que, bon, écoute, là, sa mère a un cancer, elle a un cancer, par exemple, terminal au Gabon. Et donc, le gars, quand on lui fait une proposition de 1000 dollars comme ça, là, bon, écoute, le gars saute là-dessus sans savoir parce qu'il va falloir qu'il traite sa mère au Gabon. Donc, l'histoire, quand on écrit des histoires comme ça, elle commence toujours bien. Jeune étudiant là et tout, il vient d'obtenir une bourse, tout va bien, il est amoureux d'une petite. Et après, comme on le sait, hein, bon, pour vous qui avez les 18 ans, vous n'avez pas encore vécu. Mais pour nous, là, hein, qui essayons de cacher les cheveux blancs, tout le monde passe par des phases dans la vie. Aujourd'hui, ça va. Tout d'un coup, tu entends, boum, tu dis, oh, qu'est-ce pas ça. Donc, la vie, elle est comme ça. C'est-à-dire, tout va bien, tu as la bourse. Et dès que tu arrives en Corée, tu encaisses un coup. Et c'est ce qui est arrivé à Kenny. Et dès qu'il encaisse un coup, mais à la fin, il y a toujours la victoire. Bon, j'ai parlé long comme d'habitude, c'est l'onction, il faut pardonner, c'est dimanche, je vais à l'église. Donc, s'il vous plaît, prenez ça au sérieux. Et si vous êtes vraiment intéressé à écrire ce livre-là avec moi, j'ai déjà plus ou moins des scénarios en tête. Je ferai des entrevues et puis je pense qu'au bout de 6 mois, on peut faire sortir quelque chose d'intéressant, quoi. Ok, merci. Ben moi, j'ai envie d'ajouter un truc avant de laisser la parole. J'ai envie d'ajouter un truc, c'est que
Nous voulions même mettre en place une mini-série, en fait, sur, sur la vie des étudiants. Madame Milamba Pati qui vient de proposer la même chose, je pense. En fait, ça existait déjà et donc il a simplement mis en avant l'idée, en fait. Nous voulons mettre en place une mini-série, les Gabonais en Corée, et de parler un peu de toutes ces formes-là. Mais ça tombe bien parce qu'il nous manquait une chose, c'était le script. Parce qu'il fallait créer un script. Mais ça tombe très bien parce qu'aujourd'hui, nous nous rendons compte que M. Brice Aubian, Kate, il a déjà écrit beaucoup de... il a déjà écrit une thèse dessus. Donc, pourquoi pas se mettre tous ensemble et se dire que ben, ce qui reste à faire, c'est de réaliser ça. Et donc, en nous basant sur des histoires vraies, des histoires écrites, des thèses et des écrits qui ont été mis en place déjà par M. Brice Aubian. Donc, c'est très bien. Moi, je suis d'accord pour ça, mais voilà, j'appelle la communauté, en fait. Oui, évidemment, toutes les idées sont bonnes si elles sont là pour nous instruire et tout ça. Donc, maintenant, la disponibilité, tout un chacun, les plus intéressés sont à... Le bureau va s'en charger et puis ils reviendront vers vous et puis vous travaillerez avec lui. Bien sûr, les volontaires, évidemment. Donc, OK. As-tu une autre question? Non, il a coupé son micro, en fait. Il faut qu'il débloque son micro. Tout le monde. Ah ouais? Oui. Bon, désolé. Allô? Ouais, là, on t'écoute. Merci. Désolé encore, les gars. Tu m'as coupé? Ah, je disais non. J'avais juste une question de savoir. Je vois Gilles et Terrence. Ils sont avec nous ici en Corée? Oui, je suis en Corée. Ah, ok. Ça fait un moment, vous êtes déjà là aussi? Bien. On va depuis août, 2 mois. 2 mois, hein? Ah, ok. Terrence aussi? Moi, je suis là, ça fait une année, ça fait déjà un an et quelques mois. C'est juste des gars très timides, ils sont très timides. Ah, vous êtes sur Séoul? Pas du tout, je ne suis pas très timide, c'est juste que j'aime beaucoup observer. Moi, je demandais, vous êtes sur Séoul? Je suis à Hassan. Hassan. Oh, ça c'est Chonan? Oui, Chonan, juste. Oui, je connais, mais j'étais même le week-end dernier, j'étais même à Chonan. Ah, voilà. D'accord. Moi, je suis à Daejeon. À Son Moon. Ah, Son Moon, Deakyo. Ne. Chez les Unification. Là-bas, il y a une secte là-bas, mon gars, dans ton école. Oui, 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 effectivement. Attention, c'est des voice phishing, ça aussi. Ils sont très visibles. Ils sont très visibles. L'autre, il y a Daejeon. Daejeon, Chonan, c'est un peu la même voix. Okay. Y a-t-il d'autres questions? Des questions, oui, il y en a. Oui, oui. Alors, moi, j'aimerais plus questionner la partie intelligence artificielle qui a été évoqué lors du début de la présentation. Mmh. Alors, donc, qui dit intelligence artificielle dit naturellement derrière des algorithmes qui traitent une masse de données que les utilisateurs mettent volontairement à disposition de certains grands groupes du numérique. Donc, moi, j'aimerais demander au présentateur quels sont les comportements qu'il faudra adopter, du moins les comportements en ligne. Par exemple, on a des sites web, des réseaux sociaux qui nous demandent parfois des informations personnelles comme des numéros de téléphone, l'identité, des petites informations comme ça. Est-ce que ce n'est pas au travers de ces différentes informations-là que les fameux algorithmes d'intelligence artificielle arrivent à déployer, à déterminer des profils, en fait, les profils des utilisateurs? Mmh.
Gilles, il faut couper le micro chez toi là-bas. Ah, ça. Y a-t-il une autre question? Quelqu'un d'autre peut-être? Oui, peut-être j'ai une autre question, une dernière peut-être. Bon, vu que tu as travaillé dessus pour, je crois, une thèse de master, est-ce que dans la recherche aujourd'hui, il y a des mécanismes pour pouvoir détecter, par exemple avec les moyens d'intelligence artificielle, est-ce qu'il existe aujourd'hui des mécanismes qui permettent de traquer, par exemple, ces gens? Par exemple. Oui.
Et j'ajoute même, moi aussi j'avais même une petite question aussi, puisque tu es là calé et tout. Je sais aussi que par rapport à, par exemple, si on reprend encore le cas Kenny, désolé, on n'a même pas le copyright. Donc, par rapport à ça, je me rappelle quand il faisait les conversations, tu vois. Après, quand il a été arrêté, aussitôt ils ont senti ça, tout l'historique a disparu. Tu vois, donc ça, c'est aussi, ça fait aussi partie de c'est quoi qui gère ce genre de système? Même avec le OAS de la tige, hein, le septième, l'historique disparaît toujours. N'est-ce pas? Mais pas donner les exemples, j'ai tiré. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc moi, je parle un peu dans ce cas. C'est quoi, en fait, c'est des applications. Parce que je me dis que, bon, avant, ils avaient aussi des applications personnalisées. Où la personne va, par exemple, créer une application où elle, avec ses personnes et tout, et communiquer avec ses resellers et tout. Mais il est juste même Facebook, Kakao Talk, tout. C'est le même Kakao Talk comme toi et moi. Mais lui, il a un accès plus avancé dans le Kakao Talk qui permet d'effacer. Même si vous avez fait des conversations il y a un mois, il peut effacer ça. Donc, il ne reste plus que pour toi. Donc, depuis. Parce que nous, par exemple, notre Kakao. Si tu envoies le truc, il y a peut-être, je crois que dans les 1 minute qui suivent, si tu effaces, tu peux effacer et puis tout le monde ne voit plus. Mais une fois, je crois qu'il y a une donnée, il y a un temps déterminé, dès que tu as dépassé le temps là, si tu veux encore effacer une conversation, ça te dit, il n'y a que toi, voilà. C'est de ton côté seulement que ça va disparaître, mais tout le chez les autres qui font partie du groupe, la personne avec qui tu discutais va toujours voir. Le message, donc il y a que chez toi. Et puis ça apparaît même effacé. Genre de ton côté, ça met encore la partie où tu as effacé, ça reste encore effacé. Or, avec les gars, ils enlèvent toute la conversation. Tu as l'impression que tu t'es parlé à toi seul, quoi. Non, mais c'est rien. Mais non, c'est parce qu'il n'était pas là. C'est parce qu'il n'est pas là. Moi, j'ai bien vu ça. Heureusement qu'il avait fait les captures des camps. C'est ce qu'il a aussi sauvé quand il était à l'interro. Comment ça? Moi? Quand on l'interrogeait et tout ça. L'interrogatoire. Donc, je voulais un peu savoir. Donc, ça peut aussi passer. C'est le AI, c'est quoi? C'est quel genre de système qui s'utilise? C'est quoi cette technologie très vicieuse? C'est pas français. Les gars. Je me disais que lorsque les conversations sont effacées, peut-être c'était seulement des messages récents, mais en tant que ce que tu veux dire. Je n'ai vraiment aucune idée de comment il y a cette possibilité d'effacer toute l'histoire. Demande à Kenny, tu vas voir. Il a accès au serveur de Kakao. Wow. Hein? Alors, ils ont accès au serveur. Ils ont accès au serveur de Kakao directement? C'est possible. Possible, oui. S'ils ont accès à la base de données, ils peuvent supprimer les messages. Ah, il y a des complices dans l'affaire aussi. Oui. Il y a des complices. Et c'est ça la stratégie des Coréens. Les Coréens ne traquent pas la source. Eux, ils préfèrent sévir seulement les restellers, les petits checkpointers, machin. C'est seulement ceux-là qu'on attrape. Mais, voilà, lui-même, l'instigateur, c'est rare, c'est vraiment rare. À part le seul Nigérien, il y a qu'un Nigérien que j'avais vu qu'on a attrapé, le super richissime Nigérien. Je ne sais pas si tu as entendu parler de l'histoire qu'on a. Voilà, c'est l'unique dans le domaine que j'ai vu qu'on a attrapé une source. Après, lui, il n'est pas en Corée. Tu vois.
Ouais, tu vois, donc... Vous l'avez connu, tout le monde, tout le monde le connaît. On a même oublié de le mettre dans le PPT. Ça, c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Il s'est vraiment enrichi sur le dos des grandes multinationales du monde, là. Il les a arnaqués. Bref, donc, je crois qu'on n'a plus rien à dire. Je crois qu'on va tout ça. Bon, désolé, grâce de faire tomber. Ok, man. Sorry. Il est 21h47, on est censé terminer à 22h pile. Est-ce qu'il y a encore une question? Apparemment, il n'y en a plus. Donc, est-ce que vous pouvez mettre vos caméras on pour qu'on fasse une photo avant de nous séparer? Est-ce que tout le monde peut... Voilà. Faites vite, les gars. On vous attend, s'il vous plaît. Mais Gilles et moi, on se ressemble. Mais bon, moi, sans la barbe et la moustache. Homonyme. Bon, allez, tout le monde, Ristiti, c'est ça? Ah ouais? Non, Axel mais... Meg. Axel Mag. Axel Menga, viens monter ton visage ici. Il a la toux, mon nom. Photographe, prends la photo déjà. Ben, allez-y. Fais avec ceux qui sont là. Prenez la photo comme ça, les tranquilles. Prends affaire avec ceux qui sont là. Pas de... No to voice fishing. No violence in Gabon. Grand Brice Bassara. No to... Merci à tous, merci pour votre participation, ouais. Merci à nos intervenants, merci aux différentes personnes qui ont posé des questions. Ça a permis d'apporter un peu plus d'éclaircissement sur certains points. Et puis voilà, notre rencontre est officiellement terminée. Maintenant, si les gens veulent rester en ligne pour continuer peut-être à discuter, échanger, libre à vous de faire comme vous voulez. Les temps de ce soir sont terminés officiellement. Merci pour votre participation et bonne nuit. Merci. All right. Okay, bon, moi, comme j'avais pas.